المصير et qu'il remettons finalement à la main. Allah yuhasibuna et alors Allah nous rend compte avec nous. قال الله تعالى الله سبحانه وتعالى في زيادة القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألو إنسان في بانسي مبتلي مسامن ألم يكن نطفة إسكيل باتن بدلوك بالنطفة من مني يمنى إن فومي دماني يمنى من سوديك ديكوزي ثم كان علاقة ensuite من transformé من انتايو دي سان ان كولي كن سيسمان فهنا قوة سوى قوة الله من كريكي من دنيا فوق فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى et à de ça il fallait من soit un mâle bien féminin. أليس ذلك بقادر؟ Est-ce que cela ne peut faire qu'Allah ait la poudre, ait la capacité à la injurier le mort pour lui rendre la vie avant qu'il mort? Voilà, bien sûr. Ma frère, ma sœur, nous déjà là sur le chemin du retour. Nous déjà là, le chemin du retour et Allah subhanahu wa ta'ala infini avec nous après qu'il nous informe. Allah qui avec nous, qui nous a oublié de vous dans le terminal et pour rencontre avec lui de nos séjours sur la terre. Comme toute ma créature à l'infénomène humain et pour nous fonctionner comme un humain, Allah nous donne habilité de raisonnement, habilité de compréhension et habilité d'être conscient. Pour nous capables de raisonner, Allah crée l'intelligence, cerveau, de manière. Pour nous capables de comprendre, Allah il crée les guerres et il crée la plateforme pour qu'il casse les guerres. Allah il crée 10 ans, 10 ans qu'un véhicule qui prend l'information qui travaille pour l'esprit, il arrive dans les guerres. Et pour l'esprit gagne l'information. Alors qu'Allah crée nous une créature informatique, Allah il a l'obligation comme créateur ou lui alimente le système. Par exemple, il crée nous avec un système respiratoire, lui il a le devoir comme créateur pour lui alimenter la respiration et lui produire le système. Comme ça même, pour lui alimenter le système cerveau, avec l'information, Allah il crée les oreilles et les yeux. À travers les yeux, à travers les oreilles, qui connectent directement avec le cerveau pour gagner l'information. Et Allah fait à l'esprit travailler l'information là, couler dans les terres, qui n'a pas de terre, qui recevront l'information là à travers 10 ans. 10 ans sans lire l'information en permanence dans les pierres du pompé qui l'ont mis. Les pierres sont fonctions, c'est capital. L'homme est créature conceptuelle sociale, lui bâtir son comportement social, l'eau, ça qu'il est gay à tout comprend, et ça qu'il est gay à tout comprend, quand l'esprit finit travailler, il coule dans les pierres, en communication avec l'âme. L'homme, il rend lui-même conscient, il bâtit une conviction, une conception. À partir de sa conviction et de sa conception-là, il développe ce comportement social. Et dans le monde qui a là, c'est son créateur,
Αλλά είναι l'obligation ou formule la vraie conception, formule la vraie conception qui réagit naturellement dans l'homme pour lui produire un bon comportement humain et pas mal comportement des arbres, pas mal comportement des animaux, pas mal comportement des poissons, mais pas comportement typiquement humain. Donc Allah, il vient révéler la conception naturelle, vraie, réelle. Naturelle, vraie et réelle, adaptable dans la nature de l'homme. Et sa conception-là, c'est Tawhid. Tawhid veut dire faire Allah une unique. Tawhid veut dire faire Allah une l'unique. L'unique dans quoi? L'unique dans la divinité. Qu'est-ce que ça veut dire la divinité? Toute bonne capacité qu'un bon Dieu possédait, qui permet ça qui lui ou les arrive. Tawhid, c'est ça la conception naturelle, réelle, vraie, adaptable à la nature qui a là créé l'homme et la nature de l'environnement que l'homme est là pour évoluer. Tawhid, c'est le nom de la conception naturelle réelle qui l'homme, à cause qu'il a un système de fonctionnement qui est basé au raisonnement, aux compréhensions, à l'état de conscience, Tawhid, quand il finira par la voie naturelle, en deux mots, par raisonnement, par compréhension et par l'état de conscience, Tawhid, il travaille dans le système de l'homme pour amener-lui dans une haute valeur de la moralité qui appelle Islam. Islam, c'est le comportement intérieur aussi bien que l'extérieur. Le comportement de votre caractère, votre latitude, votre mentalité, le comportement de la main, les pieds, les yeux, les oreilles, le comportement individuel, le comportement collectif, familial, social, économique, administratif, dans toutes dimensions. C'est la base tawhid qui l'homme lui garantit un succès intérieur aussi bien qu'extérieur. Quand la vie de l'homme lui n'a pas terminé l'osadine d'Uniala. Il commence côté Allah, il a fini côté Allah. Il n'a les lagues ou il n'a, il a été rentré au bout. L'osadine tout simplement, nous sommes mis à l'épreuve. Et pour nous n'a pas failli, Allah il a le devoir, la responsabilité, l'obligation pour lui instruire, enseigne-nous, oriente-nous et encadre-nous. Voilà Allah qui envoie sa lumière, dans qui Allah éduque, enseigne Ar-Rahmanu, Allah al-Qur'an. C'est lui qui n'a l'âme. Pour socialité, lui vient enseigner le Coran. Et à part d'Allah, personne ne peut sa connaissance exacte. Qui manière le système de fonctionnement de l'homme fonctionner positivement. Allah qui crée l'esprit, qui crée l'idée, qui crée l'âme, lui tout seul connaît. L'eau qui fréquence, l'esprit travaille. L'autre fréquence, les guerres travaillent avec l'âme travaille. Allah qui révèle le Coran dans une fréquence. Sa fréquence, c'est l'engagement à la clair. Et là, en Zalnahu, chapitre 12, verset 2, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, et là, en Zalnahu, Coran arabiyan, là, Allah qui t'a appris. Je vais faire ça pour Allah descendre dans l'engagement à la clair, afin
qui est capable de servir sa rafale qu'il crée là, qui en accordance avec la nature, fréquence, langage arabe, dans qui Allah il révèle le Coran. Donc, le Coran, dans ce langage arabe initial, l'essentiel pour la nature de l'esprit, la nature de l'intelligence, pour y travailler positivement. Coran est inséparable à la nature de l'homme, surtout à la nature de ce cerveau, est inséparable, indispensable. Ça n'a dit qu'on vous vivant jusqu'à ce qu'on vive Allah. On va pas finir mon mot. Bon. Avancez. Voilà. Allez, elle vous vient. Il n'a rien dit, il est mort. Et Allah qui donne nous vivants, il donne nous vivants, il donne moi vivant, lui-même qui fait la pluie tomber sur le et lui-même qui fait la comète paraître, hier avant. La vérité est suivie, la vérité est suivie. N'a jamais perdu la comète. Et lui prétend qu'il va perdre lui, il détruit dans l'espace. Ça nous rime à Yadina, je vous montre juste le mal signe. Tous les jours, un minimum de trois signes à préparer dans l'univers. Une place peut être nécessaire pour y paraître, Allah lui fait un monde qui est nécessaire pour oublier, pour être formé. Dans deux, nous commençons le grand débat, pendant semaine dernière jusqu'à sa semaine-là, un signe est paré dans l'univers. Bien, bien, grave. C'est que vous pouvez trop tomber là, et dans trois jours, d'ici là, maintenant, si j'ai une alimentation, on a un intérieur. On passe là-bas, là on peut venir, là tu vas mettre. Ici, il est. Et il met dans une mesure que l'esprit va travailler. N'importe quoi, tu n'as pas arrivé dans n'importe qui. On vit de la poil là, et si tu as demandé expliquer là, ma frère, ma sœur, ça même, c'était la révélation avec Adam alayhi salam, Noah alayhi salam, Ibrahim alayhi salam, Moussa alayhi salam, Isa alayhi salam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, une seule révélation. La ilaha illallah. Soit Adam alayhi salam, Rasulullah, soit Ibrahim Rasulullah, ou bien Moussa Rasulullah, ou bien Isa Rasulullah, ou bien Muhammad Rasulullah. Dans l'époque qui s'en a dit Rasulullah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'il n'a pas dit qu'il n'y a pas de l'autre dîme autre que à Ibrahim alayhi salam? Non. Oul urhiya ilayya. Si un seul, tu as l'humanité, urhiya ilayya, pour une recevoir wahi, à l'intabia millat Ibrahim hanifa, qui m'a dit à suivre millat Ibrahim, l'in n'a pas de mouchrik, l'in suivre tawhid la ilaha illa. Un frère, un sœur, qui s'en a dit dans nous vivant, Allah. Qui s'en a qui peut faire aux oreilles tendues, Allah. Qui s'en a qui peut faire aux yeux trouver, Allah. Qui s'en a qui peut faire mon esprit travail, mon esprit à comprendre, mon âme à moi conscient, et après cela, l'expression peut sortir, dans ce sens qu'il peut sortir, pour amener une compréhension et pour prendre une décision. Qui décision que vous avez besoin de prendre? C'est qu'il vous passe prendre avant. Décision qui vous fait les jeunes croire à cette année-là, c'est sa même décision qui vous fait croire avant, qui vous hérite lui pour la transition. Là où on fait les jeunes, quand on comprend le nom de ou Akida, le nom de ou conception, c'est Tawhid. Et Tawhid qui veut dire Wahada Yuwahino, faire bin en, faire bin unique, faire Allah bin l'unique Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire un Dieu? C'est lui qui détenir 20 capacités de la divinité. Qu'est-ce que ça veut dire la divinité? Et cette explication là bien claire. Bout pour bout. La divinité veut dire toutes 20 capacités qu'un bon Dieu possédait, qui permet de sa vie lui voulait arriver. Lui voulait la plus complète. Lui voulait qu'on comprenne. Il n'a pas fini de le mot. Il finit de le qui se papa, il n'a rien.
Je ne parle pas là. On est parti de là. Ça retourne là, il vit du mois là. Libé ou lé. Et il touche qui vient de voir lé. Par rapport à une fois, il peut rouler, tu y trouves un petit garçon qui prend des sens. Mais libé ou lé, qui sa garçon qui prend des sens, là, grandit dans la classe par an. Qui s'en a son roulé, n'est pas mort. C'est Ashhadu Allah ilaha. Ça, tu peux vous en dire là. Ashhadu Allah, mais tu peux vous en dire avec raisonnement, avec compréhension, avec connaissance, avec conscience. Et prends l'engagement pour réagir d'après ce qui lui est impliqué. C'est ça que les morts. Et toi, tu n'as pas pour capable de faire pour toi. Lis Allah fait ou les fiers, toi comprends. Et quand Allah le dit bien pour quelqu'un, Allah lui fait lui comprendre. Allah fait ou les fiers, toi comprends, et Allah te le dit bien pour toi. Il fait fier, toi comprends, ce qui te fait comprendre avant, il fait faire toi comprendre l'intégrité, l'implication, shahadat la ilaha illallah. Quand on vous dit, ashhadu Allah ilaha illallah, si vraiment de l'esprit en coco, de l'éguerre en coco, de âme en coco, tu peux prendre un engagement devant Allah pour jamais ne pas trahir le choix de Dieu pour d'abord choisir avec la lumière de la croyance, le statut d'être musulman et l'honneur d'être Ummat et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si tu décides pour sortir sa amanat là, tu dis sincèrement, honnêtement et sérieusement, Ashhadu Allah ilaha illallah. Et le petit principe, le petit exemple que vous mettez en vigueur, implication la ilaha illallah dans la vie, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Ma frère, ma sœur, ce n'était pas nous qui ne choisissions nous pour avoir la lumière de la croyance. C'est le Dieu, seul Dieu, qui crée autant millions de créatures. Seul Dieu, qui crée autant millions de gouttes de l'eau, lit dans son désir, dans son envie, dans son sagesse, dans son connaissance, dans son volonté, dans son décret, et quand il commande la prime, tu es là ou non, comme Imanda, comme Islam, comme Ummat et Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, et tu es là dans ce qu'il commande la prime, écrire, ça joue là, ça l'est là, ça indique là pour vivant, ça l'engage là, les boulons. Et c'est lui-même qui l'écrit, pour ce qui est dans le monde, pour Dieu là. Et toi, honorable créature, remercie ton maître. J'ai dit, Allahumma, anta rabbi wa ana abduka. C'est toi mon maître, parce que moi, tout cela, tout serviteur. J'ai dit, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. J'ai dit, oh Allah, fais-moi raisonner, fais-moi comprendre, et rends-moi conscient de la ilaha illallah. Oh Allah, fais-moi réagir d'après la ilaha illallah. Oh Allah, fais-moi vivre et mourir le la ilaha illallah. Vive et mourir le l'intégrité tawhid la ilaha illallah. Mais créons pour faire l'ibadah et doit jamais pour l'ibadah. Tu n'as pas une petite bout devant Allah dans sa jumala, excepté Allah qui voulait faire pas une petite bout. Et tu n'as pas pour avoir un restaurant, excepté pour les Allah fait couler toi de l'esprit. Donc c'est Allah qui fait tout pour toi, Allah touché qui coulait, qui scalait ton corps vivant, ton corps est capable de faire ibadah, Allah mérite qui te demande lui de remercier. Ma frère, ma sœur, nous venons pour traduire nos shahadat. Nous avons l'obligation pour traduire nos shahadas dans la pratique humaine, dans tout l'aspect de nos évolutions. Allah n'a pas dit nous tout seul. Allah vient envoyer le prophète pour guider nous. Et Allah vient envoyer guidance, la lumière pour guider nos yeux. Qui avait besoin de faire, qui les yeux besoin de faire, qui les yeux gagne pas faire, gagne pas faire. Ils auraient des
droit faire et lui disait pas faire, qui la langue, il y a le droit causer, qui lui pas gagne le droit causer. L'économie dans l'entier, depuis mon activité conjugale jusqu'à mon activité spirituelle, activité économique, administrative, sociale, éducationnelle, pays a un principe d'un système la vie qui a la peine complétée pour aider à l'homme. Alors, complète pour la vie, pour le système de vivre, pour le mode de vie. A d'autres jours, on complète pour dire, ou à ma tour à l'économie, on m'a dit, on vient perfectionner mon faveur au haut, ou à ma bride ou la commune islam à dire, mon satisfait avec l'islam comme un mode de vie, comme un système de la vie pour vous. Donc, ma frère, ma sœur, ensemble avec moi, vous pouvez vous dire, Allahumma laka alhamdu wa laka shukru bil iman. اللهم لك الحمد ولك الشكر بالإسلام ولك في أمواع في الإسلام مول الإسلام الليل مع عبد الإسلام وبمتعو قالوا لله كما دمان دواء إيمان الفابير إسلام الفابير et aujourd'hui vous pouvez sentir vous fier d'être un membre dans l'Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kuntum khayra ummati. Ou émeille ummat pour les jettes les nages qu'Allah a retiré pour l'humanité tout entière. Wa kadalika ja'alnakum ummatan. C'est comme ça que nous faisons une ummat centrale. Le où qui Allah investir sur confiance. Le où qui Allah investir sur protection, sur assistance. Pour où distribuer-les fidèlement, honnêtement et sérieusement aux autres. C'est où qu'Allah il fait confiance pour fonctionner dans toute une société pour la justice et la non-discrimination. C'est où qu'Allah il fait confiance pour implémenter dans où la vie individuelle aussi bien que collective, la vérité et la moralité. Quand on transgresse ma limite, quand on renonce à vous dire, quand vous restez confiance à Allah, Allah va vous rester les bras croisés. Ya ayyuhal ladina amanu. C'est sur la 5, ayat numéro 54. Et quand il a iman, man yartadda minkum an dinihi. C'est lui qui renonce à son dîme, rejette son dîme, fait négligence à son dîme. Parce qu'on fait yaktillahu bi qawmin. Allah vous l'aide un groupe. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Qui Allah content, je suis aussi content Allah. Adillatin arisatin ala al-kafirin, adillatin ala al-mu'minin. Dieu accompagne, combattre infidèle et un envers ma mu'min. Nous allons nous la vie là, de vous lutter dans les sentiers d'Allah. Voilà, il y a un renfort à l'homme à la im, et je n'ai pas trouvé aucun critique qui vient de vous. Allah, les poulets d'un groupe, pour révaloriser ce dîme. Et Allah, il promet sa couple à lui dire, « Wa'adallahu alladhina amanu » dans chapitre 24, ayat numéro 55. « Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilu salihad » Allah, il promet qu'il a iman parmi vous et qu'il fait bonne action, qu'il marche d'après dîme, avec sabbat, avec istiqama, avec résistance, avec fermeté. Allah vous donne toute l'autorité de la terre. Voilà, il vous manquine à l'homme d'une homme de la terre. Et Allah vous fait un précis implément pour digne de la terre. Donc, mon frère, ma sœur, nous sommes les confianceurs d'Allah. Nous, Allah, vient choisir nous les guerres pour lui mettre la lumière iman dans nous les guerres. Allah vient faire nous confiance pour s'envoyer à Manat d'Islam. Et Allah il fait nous confiance pour s'envoyer le lire Isa de Muhammad dans l'Umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La conception qui Allah peut vouloir faire nous comprendre à partir de sa Muhammad là, très clair. La ilaha illallah, besoin rentre dans tout l'intérieur par raisonnement, par compréhension, par l'état de conscience. Tu as besoin d'un domaine conscient qui te représente l'idéal, la ilaha illallah, qui besoin être compris
comment Allah il révélé dans sa Quranda. Ça même l'engagement que vous trouvez me prend pour expliquer où ça l'année là. Après qu'il nous bien comprend l'idéal la ilaha illallah, nous besoin connaître quand nous voulons prononcer, nous voulons intégrer dans le mouvement de la vérité qui pour militer pour la vérité contre fausseté, nous besoin comprendre qui tout le temps Allah pour dans nous l'assistance contre nous vrai l'ennemi qui voit à nous aussi mes droits, Iblis, Shaitan. Et nous besoin comprendre qu'il au base de sa calme, sa phrase, qui appelle la ilaha illallah, que nous sommes appelés à témoigner consciencieusement et établir un comportement en accordance dans tout un aspect à évolution, Allah vient révéler un principe de réaction qui appelle l'islam. Allah vient envoyer un prophète qui Allah fait lui comprendre, qui appelle la ilaha illallah, et qui Allah fait lui traduire dans l'exactitude conceptuelle, par un principe réactif, la ilaha illallah, dans la vie pratique, et Allah il décrète Mohammed comme un modèle parfait. Il dit dans le chapitre 33, verset 21, Bismillahirrahmanirrahim, la parole de Dieu à la gomme, fi Rasulillahi uswatun hasana, vous autres, dans le prophète Allah, il est un modèle parfait. Alors, mon frère, voilà ce qui m'a tracé devant nous là, grande ligne de nos motivations, nos réformations pour salamé là, l'engagement qui nous prend dans vos rapports pour faire dit-il-là, pour quitter le mal, pour entendre le bien, pour quitter fausseté, pour intégrer dans la vérité comme un vrai militant, un vrai soldat de la vérité contre fausseté. À n'importe quel prix, nous besoin, quand nous pouvons dimouter du mal là, quand nous pouvons garder nos âmes, comprendre qu'il nous fait commettre nous-mêmes pour nous militer pour la vérité, pour nous lutter avec la vérité, pour la vérité à cause d'Allah. Mon laisse ça dans l'esprit, et si vraiment sincère, alors nous mettons la main avec Allah. Oh voilà, c'est ça l'éducation qui te fait nous comprendre. Mon bébé demande-toi, tout ça là c'est au mat de Rasoul et Allah, que tu as demandé, ça même trouve une phrase dans sa courant là, que tu as topé avec toi, n'a pas répondu toi, qui te comprend ton promis. Honorable, fais-nous l'esprit raisonner, fais-nous les guerres comprendre, rends-nous conscients de sa lumière qui devait faire nous, quand devait faire nous confiance, pour ça, il y a responsabilité idéale dans la ilaha illallah, responsabilité islam et responsabilité Izzat et Muhammad, comme un Ummat et Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Honorable, tu viens demandé, Adam me fait demande-toi, mon métal vers toi, mon esprit, mon légué à tout vers toi, qui s'aime qui m'a apporté toi, qui m'a rassuré de pour répondre pour toi, toi même mon espoir, toi même mon confiance, toi même mon dépendance. Honorable, réponds-nous toi et donne-nous un bon lapin, donc ça la vérité là, fais-nous joindre toi quand tu es satisfait avec nous. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Donc repentir va faire quand il m'a menacé, repentir et tu m'as donné la gloire, tu m'as donné la guidance, tu m'as donné la pardon, Allah vous protège. Mais là, un frère qui se veut tout réaliser, nous bloquons un frère, et nous suivons la voie des et nous en fait. Alors, on en fait le voyage.
لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اوصيكم ونفسي بتقوى الله فان الله قد امرنا بذلك حيث قال ربنا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها Pensez écoute-moi bien. Là, il va aller pour nous faire négligence, insouciance, indifférence. S'incliner la main du parage de haut, ou besoin de prendre l'engagement pour faire ou s'incliner la main. Les mains Allah, Rabbi Jani Mukhima Salati wa Mithurriyati. Rabbi Jani Mukhima Salati wa Allahama bin Régulier de mon amas wa Mithurriyati. Tous les jours, mon lit ou lit à Quran. Et lire pour comprendre, trop beaucoup de signes avaient apparu que la fin du monde lit incessant. Nous tous dans la tombe, la venue de l'imam Mahdi, pour vous cause le l'attentat, est-ce qu'il y apparaît, est-ce qu'il y fait paraître, qui s'en lâche sur l'identité, ne vous cause le là comme un idéal, qui nous tous dans la tombe. Je vois même pas de vidéo, pour vous capable de témoigner. Entre temps, nous avons confiance qu'il appelle fait à nous. Allah, il appelle nous son Khalifa. Allah, il crée nous comme son vice-gérant. Allah dit, il m'a canna, il m'a fait ordre, pendant qu'il nous donne toute l'autorité de la terre, à prendre le salat, je t'établis le salat, ou à attendre le zakat. Je ordonne pour donner le zakat, ou à amarou bil marouf, ou à naharou anil munkar. Je te commande ce qui est bon, et je t'empêche ce qui est pas bon, ce qui est immoral. وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورَ Et il n'y a pas du bout de côté d'Allah pour réconnir dans ce tribunal comme un vice-gérant. Donc, à part une négligence avant, indifférence avant, ou bien nous dit dans négligence, ou bien nous dit dans l'ignorance. Mais Allah peut renouveler son confiance quand ça va une explication claire. Donc, il n'est jamais trop temps pour mieux faire. N'a pas désespéré, n'a pas découragé, Allah vous pardonne tout péché. Allah les vient dans nous dans une pardon sincère. Avec l'espoir de Allah, retourne vers Allah et demande Allah dans toutes circonstances. Plus grand signe qui est un acte pour Allah, c'est quand on demande Allah doit, comme un acte qui peut demander cela. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu, sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa barik ala Muhammad. كما صليت وباركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وعلى الخلفاء الراشدين الاربعه المهديين والامهات المؤمنات الطاهرات ومن تبعهم الى يوم الدين اللهم ارحم الاسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين ودمر اعداءك واعداء الدين انت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين والمشركين والكافرين الهنا يا ربنا انت الذي خلقتنا خلقت عقولنا وقلوبنا ونفوسنا اللهم نظف عقولنا طهر قلوبنا وزك نفوسنا وقربنا اليك بحبك يا رب العالمين ربنا اننا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزيع قلوبنا بعد إن هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم علمنا التوحيد، وفقهنا في دينك، واجعلنا من المسلمين حقا، واجعلنا من المؤمنين حقا، واستعملنا لدينك الحق. وتوفنا على الإسلام واحشرنا مع الإسلام وارزقنا شفاعة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد إن الله يأمر في العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر
والله يعلم ما تصنعون. واقم الصلاه.